Coucou mes petits hérissons, c'est ça et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 4 de Horizon Zero Dawn. Donc on va continuer notre aventure, notre péripétie. On doit retourner à notre village. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. Et puis voilà, c'est vrai qu'on avait aussi passé des niveaux. Tiens, on va pouvoir augmenter nos compétences. Qu'est-ce qu'on a? Attaque du dessus, profil bas, gros bras. Tiens, on va prendre le truc pour les coups qui critiquent quand ils sont par terre et pour récolter plus de ressources. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, ça va être améliorer un peu nos capacités de stockage. Tiens, pour... ça c'est quoi? Sac de munitions de lance-câble. On va l'augmenter. Nickel. Est-ce qu'on peut faire par exemple pour les potions? Non. Sac de piège, on n'en a pas encore. Sacoche de... Ça, bon, on va pouvoir le faire. On va l'améliorer. Il faut améliorer un peu tout. Non, le reste c'est bon. Ok, d'accord. Bon, on va continuer. On va récolter un peu tout ça. Allez, c'est parti. Ah ouais, en fait, quand je suis comme ça, je suis au mode un peu ralenti. Là, il est là. Regardez. On l'a tué. Yes, fouiller le renard. De la viande riche. Qu'est-ce qu'on a par ici? C'est un lapin. Par là-bas, un galopeur. On court, on court, on court. Merde. J'ai attiré la porte. Allez. Merde. Ok, c'est bon. Allez. Ouh là 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 là. Allez, on va se péter un petit coup. Là, il y en a un autre. Plus de munitions. C'est bon, il est là. Putain, 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 putain. C'est bon, c'est bon, il est mort. Oulala, là là, j'ai eu peur. Le truc de malade. Faut qu'on récupère un peu de soins. Bah tiens, nickel, 25% de santé en plus. Là, on va fouiller le veilleur, on va récupérer. Tiens, là, du coup, on a réussi à détacher la flambée de l'autre. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on n'a plus de munitions, donc on va en fabriquer. Top, nickel. Là, c'est par là-bas. Bah tiens, il y a un sanglier. C'est sûrement Arana. Elle a des ennuis. Au secours, s'il vous plaît! Je suis encerclée! Ok, bah, je vais venir te sauver, je t'ai vu, petite. On va fouiller d'abord le sanglier. Au cas où quelqu'un vienne me voler mon... Pas descendre. Au secours! Là, j'ai quoi? Il y a un sanglier. Ok, bon, j'arrive, petite. J'arrive. Ok. Putain, le courant il est puissant quand même. Hein. Ok. Au secours, s'il vous plaît. Ok, ok. Au secours, s'il vous plaît. Je suis coincé ici. Ce serait bien qu'il se tourne un peu. Ah merde, je l'ai loupé. Je suis coincé ici. J'aurais dû tirer plus tôt, il est où lui? J'ai besoin d'aide. Je peux pas descendre. Voilà. C'est bon, il est mort. Affaire classée. Il nous reste 4 vieilleurs à tuer. Yes. Ça c'est fait. Finissons-en. Au bon sens. C'est bon, je crois qu'il est mort. C'est bon, il est mort. Non, il en reste un. Allez. Vas-y, tape lui. Non, merde.
Allez, allez, allez. Nickel. Machine tuée, plus 175. Ok, bon, on récupère un peu tout ça. Faudrait qu'on se pense aussi à l'amélioration des armes, ça peut être intéressant. Hé, viens voir ici, s'il te plaît. Oh, t'attends 2 minutes. Je vois pas, je suis en train de récolter des ressources là. On va soigner en même temps. Je veux te parler, ça prendra pas longtemps. Ok, j'arrive. Merci. C'est bon. J'ai vraiment cru que ces veilleurs allaient me déchiqueter. Ton père m'a envoyé te chercher. Il faut que tu rentres. Je sais. Mais je partirai pas avant d'avoir repris la lance de ma mère à cette charognarde. Ton père s'inquiète énormément pour toi. Il s'inquiète même quand je m'éloigne pour aller faire pipi dans les buissons. C'est... Ah oui, quand même. Parce qu'il a peur de te perdre, Arana. Je sais... Mais j'aimerais bien qu'il arrête de me crier dessus. Ouais, bah oui, mais c'est, ça fait ça un père, hein, je suis désolée. Cette lance est importante pour toi. Ma mère l'avait fabriquée juste avant de mourir. Je suis si triste que mon père l'ait perdue. Il n'a pas fait exprès. Les charognardes sont redoutables. Je sais, mais l'idée qu'elle soit perdue à jamais m'est insupportable. Comment tu t'es retrouvée dans l'arbre? J'ai pisté la charognarde jusqu'au berceau de la mère. Je l'ai même aperçu, mais un veilleur m'a repéré et a appelé sa meute. Par la toute mère, je suis pas assez bonne chasseuse pour récupérer ma lance, hein. Bon, je vais aller te la chercher, ta lance. C'est vrai ? Oh, merci. Va voir ton père. Il s'est blessé à la jambe pendant qu'il te cherchait au sud du cœur de la mer. Oh non. D'accord, j'y vais tout de suite. Merci encore. Ok, vas-y. Nous, on va récupérer ta lance. Du coup, là, on a quelle quête? Si on va dans carte, faut qu'on aille parler. Et là, c'est quoi ça? C'est une autre quête qu'il faut qu'on chope? Ça se trouve, c'est ça. Hein. Artisanat. Si on va dans, par exemple, modifier l'arme. Notre arc. C'est une arc qu'on utilise souvent. On peut... Cet emplacement est prévu pour un objet de modification. Ceux-ci s'obtiennent en chassant les machines. Ok. De toute façon, j'ai pas le choix. Je peux juste mettre des bobines de dégâts. La modification sera perdue si vous équipez une modification dans un emplacement complet. L'ancienne modification sera perdue. Compétence d'artisanat non apprise. Ok. Bon, la façon on va pouvoir équiper. Est-ce que ça modifie par hasard l'arc en même temps? Je ne sais pas. Okay. Est-ce qu'on peut l'améliorer ça? Donc il ressemble à quoi? Il ressemble à ça. Hein, faites bien gaffe. Est-ce que ça l'a modifié? Non, je crois pas. Je crois pas. Bon, au moins, nos armes seront un peu plus puissantes. Notre tenue, on peut pas la modifier. Piège et potions. Ok. Maintenant, on peut faire des potions de soins, des potions bonus de santé. Ok, bon, on verra ça plus tard. Et ça, on verra ça aussi plus tard. Là, du coup, quête, faut qu'on retourne parler. Examiner les zones avec votre focus. Ok, d'accord. Appuyez sur R1 quand le réticule est sur les traces pour les marquer. Les traces marquées restent visibles même une fois désactivées. Okay. On va finir la quête, tiens. On va finir la quête. Tant qu'à faire. Où ça va nous emmener? Un petit sanglier. Bon, on le chasse pas. En fait, t'as envie que je te chasse. Ok. Oh. On va rester... Merde. On va rester planqué. On va récupérer tout ça. Et on retourne par là-bas. La piste d'Arana s'arrête ici. C'est là qu'elle a dû voir la charognarde. Si je suis les traces de cette machine, je devrais tomber dessus. Ok, je présume qu'il faut faire ça maintenant. Désélectionner. Normalement, ça devrait être bon.
Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a berceau de la mer, entrée dans la colline? Ok, c'est pas un point de réapparition ou une connerie comme ça. Non, de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc. Du coup, faut qu'on continue de monter par là-bas. Ça, c'est sympa. Il y a un petit truc de pistage et tout. Le berceau de la mer. Ok. On va récupérer un peu de soin. Par où ça nous emmène ? C'est bon. Ok, je fais attention quand même qu'il n'y a pas d'ennemis et tout. La piste s'arrête là. La machine a dû traverser la rivière. Allons voir de l'autre côté. Ok, et Nicolas, il commence à faire pluie. Pluie et vente. Oulala. Est-ce que on trouve quelque chose ? On va se planquer. Voilà, tiens. Toi, tu vas pas me casser les couilles longtemps. J'ai besoin de présentation. Oh non. Oh là 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 là. Allez, vas-y, c'est bon. Saloperie de galopeur là, pourquoi tu viens m'attaquer alors que je t'ai rien fait? Du coup, est-ce qu'il y a une piste par là? Non. Ah la salope! Bon, je vois plus rien là. On sent. Allez, allez, allez. Merde, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Allez, allez, allez. Oui, c'est bon. En plus, il y a des trucs rares. Putain, il y en a encore un. Allez, un gros coup là. Pouf. Nickel. C'est bon là? Vous êtes mort. Et j'avais fait tomber quelque chose. Une bluette. Bah tiens, on va ramasser. Là on a chopé plein de composants. Hein. Un truc rare. Cœur de payeur. Nickel. On va récupérer tout ça. Et moi je voulais mettre dans la quête. La quête annexe. Parce que du coup. Ah ouais, non, ils me le disent pas où que. Par où faut aller en fait. Ah si, d'accord. C'est par là-bas. C'est que je m'étais orienté dans la mauvaise direction. On va en profiter pour se soigner aussi. J'en aurais besoin. Ok, ça on récupère. Ça sert toujours. Faut pas nous oublier. Un peu de soin. Toc. Ok. Faire attention parce qu'ils sont quand même plus puissants que moi. Okay. Ok. Yes, c'est bon. Autrement, il aurait encore prévenu ses copains, il m'aurait fait chier. On récupère tout ça. Oh, j'ai plus de flèches. Donc du coup, putain, la traque elle est longue. Et là on va dans les montagnes, dans la neige. Je crois qu'elle est là-bas. La voilà. Maintenant la lance. Ok, faudrait. Je pense qu'il faut qu'on passe en discresso. Discreto, enfin essayer en tout cas. Ok, elle est où?
Ouh là là. Ok. C'est bon, lui il est mort. Merde. Voilà qu'il me chasse. Allez. Yes. Viens par là, c'est bon. Eh ouais mec, tu me prends pour un con ou quoi? Yes, c'est bon. Bon, je fais que des petits coups parce que les petits coups ça fait tomber, il disait plus de machin. Là, lance d'Ara. Oh là là. Sera heureuse de me... Allez, vas-y, on a fait tomber un truc là, vous voyez. Allez. Yes. Oh là là, il y a plein de trucs ici. Nickel. On récupère tout ça. On va se pencher. Oh là 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 là. Allez, allez. Un gros coup. Boom. Nickel. Et en plus, on a chopé plein de trucs là. Réceptacle métallique. Oh là là, c'est cool. Il y a un veilleur de mort. On aura passé quand même un peu de temps. Bah là, qu'est-ce qui se passe là? Ok, on va explorer, on va voir si il n'y a pas des trucs par ici. Tant qu'à faire. Et là, ok, bah ils nous disent de retourner voir machin. Putain, mais c'est gigantesque. On retourne, hein. On va retourner au village. Alors, c'est un cul-de-sac. Je fais ça pour rien du coup. On prend des risques là. Je suis pas sûr que ça puisse le faire normalement. Ouh là là, je suis tombé. On va pouvoir se soigner. Toc, allez, on court. On va couper à travers champ. Oui, je sais. Mais bon, le temps que tu me rattrapes, je serais déjà parti un peu loin. Allez, top, on continue notre chemin. Là, du soin. Je prends ça. On récupère. Et il me suit toujours. J'entends une musique de track. Enfin, ça fait comme une musique de track. Ok, on est à combien de distance là? Je vois pas bien. 320. 320? Ça fait quoi? Ça fait tout ça 320? Pff, mais laisse tomber. Les kilomètres qu'on va parcourir là-dedans dans ce jeu, mais c'est hallucinant quoi. Ici. Ah, je crois que le pont de loin il était cassé. Nickel. On traverse. On s'embête pas avec ça, on continue tout droit par là. C'est un raccourci. C'est un raccourci. Allez. Je sais pas où il faut qu'on passe par là ou. Ouais, tous les chemins mènent à Rome, passons. Parce que moi je pense que quand même, si je prends pas le pont, je vais devoir traverser la rivière. Ça va être un peu emmerdant. On va prendre le pont. Et on va braquer direct après. Ah oui, on se retrouve au village. Et il y a une quête. Est-ce qu'on irait pas la chercher vite fait? Est-ce que c'est à côté? Ouais, c'est à côté. On va la chercher parce que si jamais c'est pas... On passe pas dans le coin, au moins on l'aura déjà prise.
pas monter par là. Ça ne tente rien à rien. Ah tiens, c'est là. Nickel. Ah, ici, là, je pense. Ok, qu'est-ce qu'il nous veut là? Ah, Olara. C'est moi que tu appelles? T'as besoin d'aide? J'ai rien contre les parias, moi, tu sais. Mais j'ai pas le droit de te parler, je pourrais avoir des problèmes. Okay. Je vois personne d'autre qui pourrait t'aider. Tu as raison. Pardon, je voulais pas être impoli. Mon frère avait été banni, mais sa peine est terminée. Il aurait dû rentrer, mais il l'a pas fait. Il y a du sang partout dans son campement. Ok, ça craint. Avec du sang? Il y avait du sang au campement de ton frère, c'est ça? Les braves sont allés à sa recherche et c'est ce qu'ils ont trouvé. Je pense sans cesse à ce qui a pu lui arriver. Est-ce qu'il est vraiment mort? Ah bah peut-être. Ou seulement blessé? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il a besoin d'aide? Cette incertitude, ça me tue. Ouais, moi aussi, ça. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Tous les jours, je faisais une marque au mur. Je savais que la peine de Brom était terminée. Depuis, j'en ai fait 3. Et il n'est toujours pas là. En gros, ça fait 3 jours, quoi. T'aurais pu me dire, depuis 3 jours, il est parvenu, quoi. J'ai envoyé des braves à sa recherche, mais ils n'ont trouvé qu'un campement souillé de sang. D'après les braves, il est mort. Mais je veux en être sûre, alors... Je suis partie à sa recherche. Ok. Pourquoi le crime de ton frère, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Brom a toujours été différent. Un peu bizarre. L'un des chasseurs était cruel et l'embêtait tout le temps. Ok. Je me suis absentée 1 heure. Le chasseur est venu le tourmenter, mais cette fois-là, Brom s'est rebellé et lui a fendu le crâne avec une pierre. Bah, il a bien fait. Les esprits lui avaient ordonné à ce qu'il a dit. Les murmures des oubliés. Ça lui a coûté 10 ans. Je n'aurais jamais dû le laisser seul. Ah ouais, 10 ans quand même. Bon, je vais essayer de retrouver ton frère. Sinon, j'ai l'impression qu'il veut pas en fait. Qu'il veut pas me proposer autre chose. Je t'embêterai pas, je saurai me faire discrète. Lui dire, va te faire foutre quoi. J'irai plus vite toute seule. D'accord, je comprends. Mais je t'en supplie, trouve-le. Ok, bon, va te le trouver. Et du coup... Ah, ça, c'est ça me fait délirer. Est-ce que on peut se lâcher? Ok, c'est bon. Bon, il y a plein de touches à prendre en compte. Hein. Va falloir que je m'habitue à tout ça. Vraiment. C'est... Ça se gardera. Merde, je le vois plus, le lapin. Merde! Si, c'est bon. Pour moi, j'avais visé à côté. Hein. Ok. Du coup, c'est par où qu'il faut passer là? Je ne sais plus. C'est par là-bas, tout droit. Oh, tiens. Un fan, on n'en a jamais récupéré. Enfin, je sais pas si c'est un fan. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Une dinde. Ok, et là du coup la quête elle est par là-bas. Où est-ce la petite mère? Alors il est revenu. Avance. Ah oui, d'accord. C'était la quête secondaire. D'abord, c'est par passer en quête principale. Et maintenant tu rapportes la lance. Bon, moi, quand je t'ai appelé à l'aide, je n'étais même pas sûr que tu acceptes de me répondre. Merci de l'avoir fait. Mais de rien. Oui, merci. Je suis tellement heureuse de retrouver ma lance. Elle est d'une qualité prodigieuse. Ta mère savait fabriquer des lances. Je n'égalerai jamais son savoir-faire, mais elle m'a appris quelques techniques. Ça me ferait plaisir d'améliorer la tienne. Merci. Ta mère devait être quelqu'un de bien. Je suis triste pour toi. Tu sais, grâce à toi, j'ai encore sa lance pour me souvenir d'elle. T'étais pas obligé de nous aider, pourtant tu l'as fait. Et ouais. Ma mère t'aurait admiré. Bon, je suis altruiste. Merci, Aloy. Merci pour tout. Du coup, maintenant, on sait fabriquer... Faudra que j'ai... Attention, on lui reparle.
Il va nous apprendre à fabriquer des lance-mines. Quand je pense à ce qu'aurait été ma vie si j'avais perdu Arana... Merci, Aloy. Ok, c'est tout. Bonus de dégâts pour lance... D'accord. En gros, il m'a dit la compétence comme ça. Bon, je trouve ça un peu dommage. Ça aurait été sympa que, par exemple, ça nous débloque une suite de quêtes ou qu'il nous apprenne... on va lui parler, on lui passe les ressources et c'est lui qui lui fabrique, quoi. Bon. C'est parti, direction notre Rost, là du coup, et pas Rock, parce qu'en fait je crois que c'était écrit Rock. Tiens, hop. Ça, il nous en faut beaucoup, j'ai vu. Allez. Allez, allez, allez. Oui. Yes, c'est bon. Par contre, j'ai pas compris le système. Je l'ai peut-être pas pris, en fait. Je suis en train de me poser la question. Normalement, appuie sur R1 pour effectuer une attaque silencieuse. Ah non, je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris, c'est pour ça. Je pensais l'avoir pris. Alors, faudra qu'on le prenne. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ok, bon, on monte. On va parler à Rost. Aloy. Bah tiens, il est là. Je dois te parler. Bah vas-y, parle-moi. Bon, il est temps. Tu es prête? Bah j'ai pas le choix, je suis... pas encore, non. On va fabriquer des munitions. D'accord. Aloy, il faut qu'on parle. Aloy. Attends, bon Dieu. Ça, on va en fabriquer 8. Ça, on va en fabriquer... Ah, d'accord, on en fabrique que 2 à chaque fois. Ok. D'accord. Celle-là, c'est du perce-armure, je pense. Et là, il n'y a pas de perce-armure, mais par contre, il y a des dégâts de feu. Ok, d'accord. Si on va dans inventaire, du coup, toutes les modifications, ça, c'est bon. Oh, putain, d'accord. Ressources, bon, on en a une chier. Hein. J'aime pas ça, moi, avoir les points d'exclamation. Je les enlève. Ça, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des potions anti-feu. Bah, tiens, on va prendre la éclat de métal potion. Ok, bah, c'est pris aussi. Objet précieux, ça c'est bon. Mission, ok. Potion, et ça fait quoi? Potion anti-feu. Résiste à 75% des dégâts au feu pendant 90 secondes. Extrait de la racine de plante ardente, ce liquide peut protéger temporairement contre les effets du feu. Enfin, de feu. Restaure 150... Ah oui, 150! Ah oui, quand même! Là, qu'est-ce qu'on a? On a ça. C'est quoi? Cet objet octroie un déplacement rapide à un feu de camp ou à un campement unique découvert n'importe où. Ah, d'accord! On peut pas se déplacer, genre comme à Assassin's Creed, n'importe où et n'importe comment. Les boîtes à trésors, bah j'en ai plus. Hein, pourquoi ça reste activé? Et on peut pas modifier notre tenue parce que pour l'instant, je pense... Inventaire. Et que notre tenue, elle peut pas... D'accord, elle peut pas choper de modification. Mais du coup, je voulais quand même regarder en artisanat si je pouvais pas péter une amélioration ici. Non, je peux pas. Est-ce que j'essaierais pas vite fait de... Je dois te parler. De passer un niveau. Il manque 100, c'est pas grand chose. Je pense qu'une bestiole ou deux, ça le ferait. C'est ce qu'on va faire. Il y a un campement qui est où, là? Ça, c'est quoi? Cœur de la mer. Il y a un campement qui est en face. Ah, oh, ça fait un peu loin, quand même. Bon, allez, on s'en fout. On s'en fout. On se dirige... Bon allez, hey. Il reste un peu de temps avant de passer la demi-heure. Je vais essayer d'y aller vite fait et de tuer quelques bestiaux. Là on est comment? Oh putain, ça avance pas vite quand même. Ça avance pas vite, pas vite. Là du coup faut descendre par là-bas. Parce que
que il me semble pas que les ah bah tiens, et en plus putain, avec les mauvaises munitions. Voilà, les animaux. Ah si, ça me donne quand même un peu d'XP. J'avais peut-être pas besoin de me déplacer aussi loin. En plus, je me dirige même pas vers le bon endroit. Ok. On va prendre le pont. On récupère tout ça. Ça, c'est bon. Et le campement de galopeurs qui est juste à côté, donc ça, ça va être bien. Hop là, racines de plantes de givre. Les plantes ardentes, ça sert à faire des popos de feu, du coup. Et ils sont où, les machins? Tiens, nickel. Un truc comme ça, ça me rapporte 25. Ok. Donc il y en a un là, on va rester. C'est bon, il est mort. Et on est passé niveau 6. Ouais, c'est bon, ouais, tu sais quoi. Ok. Bon, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là, hein. On se retrouvera directement devant Rost. Voilà, là, là, là. Nickel. Eh oh, tu crois quoi? Tu crois que tu vas pouvoir me faire les fesses ou quoi? Il s'est pris un coup de bâton dans la gueule. Affaire glacée. Ouais, donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je me dirigerai directement vers un point de sauvegarde. Et lors de du cinquième épisode, on se retrouvera juste devant Rost. Et je vais pas avancer, vous inquiétez pas. Allez, bisous, 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 merci encore. Et je vous dis une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me partager, à mettre un petit pouce bleu. Et puis, bah, à vous abonner si vous avez aimé, bien sûr, ce contenu. Allez, bye bye, merci, c'était Soy.